Si j'éternue comme toi. Shalom! Et bonjour! Je continue la lecture biblique dehors. Il y a prévu la pluie, et c'est vrai, il fait tout gris. Mais bon, merci Seigneur qu'on a pu se promener. Il n'y a pas eu une pluie abondante. C'est super. Et Elia s'est réveillée! Est-ce qu'elle va me laisser lire? Sympa, il y a les oiseaux qui chantent. Merci Abba. On prie. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as accordée et la nuit de repos qu'on a passée avant. Voilà, il y a déjà la matinée qui a bien été entamée. On a pu faire une super promenade. Merci même pour les oiseaux qui chantent et les petits canards qu'on entend. Oh, merci encore une fois que la pluie n'est pas abondante et qu'on peut encore profiter de l'air pur dehors. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour cette bel exemple qu'on a hier. On a lu comment il s'appelle, Enoch fut enlevé, il plut à Elohim de faire cela, il était juste aux yeux d'Elohim. Ayant ce désir, nous aussi, Abba, mets en nous ce cœur bien disposé à chercher à être juste selon toi, à être selon ton bon cœur. Amen, Elia, oui. Merci, Seigneur, de nous rendre des enfants, tes enfants, de rendre tous tes enfants obéissants, tous tes enfants bouillants, tous tes enfants qui comprennent bien ta parole pour l'appliquer, Seigneur. Tant de mauvaises doctrines, tant de mauvais enseignants, et ta parole nous dit qu'ils seront jugés plus sévèrement. Mais ta parole nous dit, attention, malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc, ne nous confions pas en l'homme, en un enseignant, mais vérifions ce qu'il dit pour voir si c'est vrai dans ta parole, dans la prière, dans le bon vouloir de nous-mêmes, de nous remettre en question, te poser la question à toi et nous remettre devant toi. Oui, Seigneur, tu le fais. Tu es celui qui veut nous ouvrir les yeux. Ôte le voile, que le voile tombe. Allez, essaye de bouger, de sortir de la poussette. Tu es bien attaché, tu ne sortiras pas. Oui, merci Seigneur de ce que tu vas me faire bientôt marcher. Mais oui, je vais gambader moi aussi comme les autres. Alléluia, merci pour les forces que tu donnes à papa, à maman, à toute la famille, hein. Elohim partout dans le monde, tu renouvelles celui qui est faible, oui, celui qui est faible est fort, en lui, oui, c'est dans notre faiblesse que tu te plaît. Pourquoi? Ben parce que ta gloire est manifestée, parce que si lorsque nous sommes au fond du trou, faible, on s'accroche encore, c'est grâce à lui et on peut glorifier lui en disant, c'est toi qui me donnes la force. Oui, bon, à part celui qui est orgueilleux, celui qui ne veut pas croire en toi et qui dit, non, mais c'est moi, je suis une bonne personne, j'arrive à tenir le coup. Non, ça c'est déjà un péché que nous puissions te glorifier lorsque nous sommes faibles et avouer que si nous arrivons à être debout, c'est par toi. Nous tombons et tu nous relèves. Nous sommes malades et tu nous guéris. Nous sommes malades et des fois nous ne guérissons pas, mais nous avons la force d'avancer. Oui. Je t'aurais pris dans les bras, mais papa, il ne veut pas que tu sois sur la vidéo, Elia. On chante une chanson? Merci, Seigneur, car tu m'as cherché. Merci, Seigneur, car tu m'as trouvé. Merci Seigneur, car tu m'as donné ton grand amour qui m'a libéré. Oui, la Saphir, toi tu peux être sur la vidéo, Saphir, mais elle est passée derrière. Oui. Ah, maintenant on va lire, si j'y arrive, si elle me permet de lire. Alors, chapitre 5, on en est, si je ne me trompe pas. Non, Enoch, il fut enlevé au chapitre 5, c'était hier. Chapitre 6. La corruption de l'humanité. Le déluge. Le déluge, Elia.
c'est quand le glébeux commence à se multiplier sur les faces de la glèbe. Sur les faces de la glèbe. Regarde, je suis là à côté de toi. Alors, qu'est-ce que je vais te donner? Les clés. Les clés, ça va t'occuper, ça. Tiens, on enlève les gants. Je lui donne ça. Oh, c'est quoi? Tiens. Tiens. J'aurais dû mettre la pause comme une andouille, pardon. Donc, le chapitre 6, c'est Saphir qui va toucher le téléphone. Et c'est quand le glébeux commence à se multiplier sur les faces de la glèbe, des filles leur sont enfantées. Les fils des Elohim voient les filles du glébeux. Oui, elles sont bien. Elles se prennent des femmes, ils se prennent des femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Yahuwah dit, mon souffle ne durera pas. Oh, elle a fait tomber les clés. Bon, du coup, je ne sais plus où j'en étais, pardon. Yahuwah dit, mon souffle ne durera pas dans le glébeux en pérennité. Dans leur égarement, il est cher. Ces jours sont de 120 ans. Donc après, c'est fini, les milliers d'années, etc. Ça va bien descendre, 120. Les Néphilim sont sur terre en ces jours et même après. Quand les fils des Elohim viennent vers les filles du glébeux, elles enfantent pour eux. Ce sont les héros de la pérennité, les hommes du nom. On a plus clairement ailleurs dit c'est les héros de l'Antiquité, les mythes, mythologie grecque, là, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Verset 4, voilà, les héros. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois. Voilà. Papa, il est venu et puis t'as pas pris. Hein? Voilà, là. Ça fait mal les dents. Donc, les héros. Yahuwah voit que se multiplie le mal du glébeux sur la terre. Toute formation des pensées de son cœur n'est que mal tout le jour. Yahuwah regrette d'avoir fait le glébeux sur la terre. Il se peine en son cœur. Yahuwah dit, j'effacerai le glébeux que j'ai créé des faces de la glèbe, du glébeux jusqu'à la bête, jusqu'au reptile et jusqu'au volatile des ciels. Oui, j'ai regretté de les avoir faits. Mais Noah trouve grâce aux yeux de Yahuwah. Voici les enfantements de Noah. Noah est un homme juste, intègre en ses cycles. Noah va avec l'Élohim. Noah fait enfanter trois fils, Shem, Ham, Cham et Yafet. Mais la terre se détruit en face de l'Élohim. La terre se remplit de violence. Élohim voit la terre et voici, elle est détruite. Oui, toute chair avait détruit sa route sur la terre. Élohim dit à Noah, le terme de toute chair est venu en face de moi. Oui, la terre est pleine de violence face à eux. Me voici, je les détruis avec la terre. Fais-toi une caisse en bois de cyprès. L'arche. Tu verras, tu feras la caisse de cellules. Asphalte-la. Oh là là. À l'intérieur, à l'extérieur, avec de l'asphalte. 14. Le bitume, on a non. Mets-toi, construis un bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras. Tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Tu feras une lucarne à la caisse et l'achèveras d'une coudée en haut. Tu mettras l'ouverture de la caisse sur le côté. Tu feras des soupentes, des secondes, des troisièmes. Oui. Là, il y a les mètres, là. 15 mètres de hauteur. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. À 50 cm du haut, tu ménageras un jour. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras un étage inférieur, un premier et un second étage. Et moi, me voici. Je fais venir le déluge, les eaux sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous les ciels. Tout ce qui est sur terre agonisera. Je lève mon pacte avec toi. Tu viendras vers la caisse, vers l'arche. Toi, tes enfants, ta femme, les femmes de tes fils avec toi. Tu feras venir dans la caisse de tout vivant, de toute chair,
deux de chaque pour vivifier avec toi. Ils seront mâles et femelles. Le volatile pour son espèce, la bête pour son espèce et tout reptile de la glèbe pour son espèce. Deux de chaque viendront vers toi pour vivifier. Et toi, prends pour toi de tout manger qui sera mangé. Ajoute-le à toi, pour toi et pour eux, il sera à manger. Noé fait tout ce que lui a ordonné Elohim. Il fait ainsi. Oh là là, il fait gris, voici ces nuages. Ah, là on me voit bien là. Shalom, bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole et qu'il nous donne toujours faim et soif de lui et que d'autres personnes soient attirées à lui. Et sois sauvé, se convertisse et sois sauvé. Demi-tour cache vers Dieu dans ta vie. Amen. Bisous.